Bruno Gilles, sénateur des Bouches-du-Rhône et candidat à l'élection municipale de Marseille. Donc moi, ce que j'apprécie aujourd'hui dans la démarche, c'est finalement un projet participatif, une idée, plusieurs idées, d'ailleurs plusieurs propositions. Et je m'aperçois à la lecture de ces propositions que Marseille mérite vraiment un maire en plein temps, un maire 100% occupé pour résoudre les problèmes des Marseillaises et des Marseillais. Et on le voit en regardant toutes les propositions dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la sécurité, des transports et plein d'autres. Moi, le fond que je retiens, au-delà de la thématique, c'est que pour essayer de résoudre tous ces problèmes, il faut s'occuper uniquement de Marseille, pas des autres collectivités. Si demain, on veut que Marseille soit une ville plus sûre, si demain, on veut une ville qui réponde aux envies environnementales, si demain, on veut une ville plus propre, plus sécurisée, je l'ai dit, avec des transports en commun, il faut s'occuper 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 des Marseillaises et des Marseillais. En tout cas, si je suis élu, c'est ce que j'ai promis, je serai un maire en plein temps, entièrement consacré aux Marseillaises et aux Marseillais.